Yo la famille. Bon, là le son était pas du tout ouf, donc je vous explique. Lui c'est Julien, il vit à Miami, ancien bodybuilder, l'un des Français les plus reconnus dans son milieu, notamment sur YouTube, un coach d'exception, quelqu'un qui va m'aider à mieux me comprendre, à être aussi plus performant au poker, parce que le physique est relié au mental. Il y a un mec qui disait un esprit sain dans un corps sain. Évidemment, je sais plus qui c'est. Mais à suivre et on entame directement, on rentre dans l'action. Maintenant, on va aller voir la salle de cash game, les gens qui jouent l'argent directement à tout moment de la journée ou de la nuit. C'est ouvert 24/24 et c'est ici. Donc là, on se trouve dans la salle de cash game, c'est ça? Cash game. Ça, c'est ta spécialité ou pas vraiment? Ça l'a été pendant longtemps et aujourd'hui, je fais les deux, mais je me concentre principalement sur les tournois. D'accord. Ouais. Mais là, tu peux rentrer à n'importe quel moment, c'est ça? Cash game, contrairement à un tournoi. Contrairement à un tournoi où il y a une certaine heure limite. Alors qu'en cash game, tu peux rentrer n'importe quand et sortir n'importe quand. Et comment tu choisis la table? Tu sais pas? Alors, dans un premier temps, il faut idéalement une table où il n'y a pas de joueurs pro. Mais ça, tu peux pas le choisir vraiment. C'est bien de te mettre sur des listes et après quand on te propose une table, tu as le droit de refuser de t'asseoir et de te remettre en liste et de prendre une autre table. Donc là, tous ces gens-là attendent pour une table. Ouais, il y a des gens qui attendent pour une table. D'accord. Là, mais souvent, tu vas pas être trop sélectif dans des endroits comme ça parce que sinon tu vas taper beaucoup d'attentes. Donc il va falloir quand même te débrouiller pour pouvoir jouer dans des endroits comme ça parce que sinon tu vas trop attendre. D'accord. Voilà. Là, regardez ce qu'ils ont fait pendant la période de pandémie aux États-Unis. Je trouve que c'est intéressant, on va dire. Tous délimités comme ça par du plexiglas. Et en fait, on joue toujours ici. Donc là, mon jeton ici. On peut toujours lancer les jetons là dans le pool. Le croupier continue à mettre les cartes ici. Enfin, tout continue pareil, sauf qu'on est délimité. On s'entend moins bien parler, je vous avoue, parce que le plexiglas est quand même assez bourrin. Donc quand tu veux parler à un mec qui est au bout de ta table, je te jure qu'il t'entend pas. Donc par contre, un mec à côté, ça va. Donc ça, c'est un peu dommage pour ce point-là. Mais si, en tout cas, moi, si, mon avis, c'est que si ça permet de recommencer plus vite, et c'est le cas, hein, il y a un tournoi avec 2000 joueurs donc dans une salle, hein, ça veut dire que c'était sûrement la chose à faire. Et au final, voilà, ça a repris aux États-Unis, là où en Europe, ça peine à reprendre pour le moment. Et donc je suis là. Moi, je suis là où ça reprend, là où on est assez libre. Est-ce que ça change la perception justement de ton jeu, tout ça? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Honnêtement, non, à part le fait de plus pouvoir interagir avec une partie des gens de la table, ce qui du coup change un peu en termes de stratégie. On va dire qu'on va un peu couper de l'interaction du live, donc ça veut dire qu'on va se rapprocher un peu plus du jeu en ligne en ce moment, mais très légèrement. Heureusement, ça ne change pas la totalité. Tu n'arrives pas à moins voir s'il y en a un qui bluffe ou quoi? En fait, les masques, oui, ça joue. Avec les masques, parce que en fait, les gens sont couverts jusque-là. Donc, ouais. En fait, les expressions de bouche, c'est ça. On voit moins les expressions de bouche. Donc, je vois un peu moins le fait que quelqu'un apprécie ou non sa main de poker ou apprécie ou non le bord. Donc, oui, effectivement, tout ça fait que, masque compris, on se rapproche un peu plus du jeu en ligne. D'accord. Mais attention, ça reste quand même très léger comme changement et je pense pas que ça sera définitif, évidemment. Ça va, à un moment donné, ils vont les enlever tout ça. Hein. Ça va faire rêver plein de monde, mais du coup, les gens ils vont se demander comment on peut devenir justement joueur de poker professionnel comme toi et comment en vivre, parce que j'imagine que la plupart des gens, c'est comme nous dans notre métier, au final des bodybuilders professionnels, il y en a très très peu et qui en vivent, il y en a encore moins, et j'imagine que dans le poker, c'est pareil, quoi. Il y en a très peu qui arrivent à en vivre, et la plupart même perdent, j'imagine. Ouais, il y a 93% de joueurs perdants, c'est ça. Au poker déjà, peut-être 7% de joueurs gagnants, parmi les joueurs gagnants, il y a très peu de pros. Pro, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner suffisamment pour en vivre. Ouais. Donc, c'est pas facile. On va dire, ça se travaille longtemps. La plupart des joueurs pro le sont devenus après au moins un an intensif mais alors intensif. Tu fais que ça. Que ça, voilà, d'apprendre, de jouer, de travailler le jeu, etc. Et un an, c'est des gens déjà assez doués. Quand tu veux juste avoir des résultats de type ne pas perdre d'argent au poker, faire du poker ta passion,
enfin, en tout cas, si le poker, déjà, c'est tu gagnes rien, mais tu perds rien. Ouais, c'est ça, être break-even. Si le poker, c'est déjà ta passion, j'ai envie de te dire, et que tu joues de l'argent au poker, autant essayer de le faire d'une manière à ce que ça ne te coûte pas d'argent. Ok? Ça, ça prend beaucoup moins de temps. Et c'est ça qui est, que la plupart de mes viewers ou mes élèves vont chercher. Ça va être déjà d'être ni gagnant ni perdant ou légèrement gagnant, ou de pouvoir se payer de temps en temps une vacance ou quelque chose avec le poker. Mais ça, c'est beaucoup plus atteignable, c'est des objectifs. C'est un peu comme si tu me dis, je pense aller à la salle et avoir un peu de muscle. Ça, je pense qu'on parle de quelque chose d'atteignable facilement. Et devenir bodybuilder, là, il y a un écart énorme, je suppose. Dis-moi, c'est quoi la différence? Moi, j'ai voulu toujours avoir des muscles. J'en ai pas, mais j'en ai plus que ce que j'avais au départ. J'avais rien au départ, j'étais maigre. Donc là, j'ai toujours rien, mais je me sens déjà mieux, tu vois. Et je pense que je peux faire beaucoup mieux. Mais oui, ouais. Bah, pour moi, c'est 25 années d'entraînement non-stop. Mmh. Diète, entraînement. Donc j'ai été pro, je suis passé pro à 34 ans, si je me rappelle bien, un truc comme ça. Et je vais en avoir 40 aujourd'hui. Et de nos jours, en fait, c'est vrai que les jeunes qui voient ça, ils veulent devenir pro à 18 ans, tu vois. Mais en fait, c'est pas possible comme ça. Il faut des nombreuses années. Déjà, il faut avoir aussi une génétique particulière parce que tout le monde ne peut pas devenir pro. Il faut avoir une morphologie particulière. Et ensuite, il faut ne jamais rien lâcher, évidemment. Il suffit pas d'être pro pour vivre du bodybuilding. Et c'est à toi-même de créer, en fait, ta propre marque qui est toi-même, au final. Donc, en cherchant aussi de nouveaux sponsors et puis en étant inspirant parce que les sponsors vont être attirés par des gens qui inspirent et qui ont un parcours particulier. Donc, tu vas pas trouver un sponsor si t'inspires pas les gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une compète qui paye 500 000 euros aux gagnants au bodybuilding. C'est la plus grosse, c'est à Las Vegas. Ouais, entre 500 et 600 000 dollars. C'est le Mister Olympia qui, donc, qui a lieu chaque année à Las Vegas. Et donc, ça, c'est le Graal, en fait. C'est comme le Super Bowl du bodybuilding, tu vois. Et ça, c'est à l'époque d'Arnold. C'est lui qui a fait connaître aussi cette fédé. Et c'est pour ça que j'ai voulu être pro dans cette fédé-là, dans cette fédération-là. Donc, qui est l'IFBB. C'est la fédération la plus connue au monde dans laquelle il y a eu justement Arnold Schwarzenegger qui s'est fait connaître. Et grâce à ça, si tu veux, même à l'époque, il savait que c'était pas un truc de malade, mais ça a pu lui permettre d'être connu pour pouvoir ensuite tourner tous ses films et faire tout ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça te donne une certaine notoriété qui te permet après de décrocher des sponsors, qui te permet de faire un business à côté. Mais c'est pas les gains finalement qui vont te rapporter. Ouais. Parce que comme je te disais, il y en a qu'un seul. Donc sur le monde entier qui va gagner cette somme là dans l'année, et c'est dans les catégories open, donc dans les catégories vraiment haut, c'est des mecs qui font 130 kilos et tout ça, où c'est vraiment énorme. Ça demande, bon, évidemment, bien plus que ce que je fais là. Et j'ai jamais voulu être justement dans cette catégorie-là. Ouais. Je voulais rester athlétique, disons, rester pouvoir bouger normalement et me prendre un peu dans la masse. Si je m'habille ou que je mets un costume, on va pas forcément dire que je suis bodybuilder professionnel. Et puis même maintenant, je suis à la retraite, hein, à la retraite des compètes, on va dire. Donc voilà, c'est pour te dire que c'est pas un boulot à qui va te faire vivre vraiment si tu construis pas un truc autour, quoi, tu vois. Ah, c'est peut-être la différence avec le poker, c'est que y a plein de joueurs de poker dans l'ombre qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas de site de coaching, qui n'ont pas d'activité de marque, etc. Ouais. Tu vois, les Arthur que je viens de te citer, c'est typiquement l'exemple. Mais il y en a plein des joueurs de poker pro qui n'ont pas besoin, en fait, si tu veux, de l'envie pour pouvoir vivre de ça. Non, mais même moi, pendant des années, j'avais pas besoin de plus, j'ai toujours pas besoin de plus. Mais si tu veux, quand tu aimes faire ça, évidemment, c'est un plus de le faire. Parce que si tu aimes coacher les gens et que tu le fais bien et que les gens sont contents et que tu as des gens qui te suivent, évidemment, ça va te faire un complément de revenu qui est important et qui, en plus, c'est agréable parce qu'en fait tu transmets ta passion aux autres. Moi, si tu veux, pendant des années j'étais seul derrière mon PC à jouer. Ok, je gagnais mieux ma vie que la plupart des gens, mais ça me, comment dire, j'étais moins heureux que je le suis depuis que je partage. Ouais, c'est ça. Avec le stream d'abord. Mmh. Moi, quand j'ai commencé à streamer sur Twitch en 2015, j'avais aucune idée derrière la tête de sponsoring, peut-être de sponsoring avec une marque, ouais, peut-être, je me disais inconsciemment, peut-être qu'un jour je me ferais sponsoriser, mais j'avais pas d'idée de coaching ni rien. Je coachais déjà des potes à moi pour qu'ils progressent, des potes à moi qui étaient déjà pro ou qui avaient déjà des bons résultats pour qu'ils soient encore meilleurs. Mais voilà, et c'est mes auditeurs, mes viewers qui me demandaient
de les coacher, en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, ça s'est fait. Donc, j'ai commencé à donner, à montrer comment je jouais, à expliquer ce que je faisais, le pourquoi je le faisais, chaque action. Et donc, c'était du coaching interactif, en fait, parce que, en fait, tu peux jouer en ligne, montrer ta table, et les gens voient tes cartes. Donc, tu peux expliquer en temps réel, si tu veux. D'accord. C'est comme si toi, tu avais ta GoPro linkée à ton YouTube Live et que t'étais, toutes tes séances dans la salle étaient filmées. Ouais, séances live. Ouais, voilà. Ouais. Alors, il y a un truc, moi, je veux savoir parce que j'ai commencé la muscu, je me suis arrêté, j'ai recommencé, je me suis arrêté. À chaque fois, c'est le cercle, je pense qu'on est beaucoup à le faire. Qu'est-ce que tu dirais aux gars comme moi? À chaque fois, j'ai remarqué un truc, c'est que quand j'ai pris un coach, que j'avais pas le choix et qu'il fallait que je sois là une certaine heure et que je sois là 4 fois par semaine, j'y étais, tu vois. C'est ça. Et quand j'ai arrêté avec ce coach pour X raisons, le bodybuilder dont je te parlais à la salle que j'avais, c'est celui qui m'a fait le plus progresser. J'ai eu 6 mois seulement. Alors, il me tuait. Mais effectivement, physiquement, j'avais beaucoup plus de résultats. Et même mentalement et tout, j'ai accompli, je trouve, l'année-là, les meilleures choses. Je sais pas si c'est coordonné, linké, mais j'ai l'impression que oui. Dans ma carrière, j'ai accompli l'année-là, j'ai fait, c'était en 2019, j'ai fait 2e au championnat du monde à Vegas, donc au WSOP. Donc c'est ouais, comme c'est... votre IFBB. Ouais. Voilà, mais on a 60 épreuves, donc c'est comme les JO. Et donc champion du monde. Sur une des épreuves. Sur sur celle-là, avec shoot-out $3000 le buy-in, j'avais pris 128 000. Et il y avait à la table le meilleur du monde à ce moment-là, hein. Celui qui est connu, enfin, comme je t'ai dit, il y a plein de classements, mais dans les tournois en casino, c'est celui qui avait le plus de résultats. Il a, je sais pas si c'est pas 50 millions de gains ou 60 millions de gains bruts en casino. C'est Justin Bonomo, il était à ma table, ta finale. Donc c'est des accomplissements perso où tu te dis, tiens, putain, le gars, il est là, il y a lui, il y avait encore 4-5 mecs super forts et tout. Et tu te dis, putain, j'en suis là, les mecs se font éliminer au fur et à mesure, je suis encore là, machin. Même si, bien sûr, sur un tournoi, il y a une part de chance qui est importante, etc. Je me sentais bien, tu vois. Et ça, c'est l'année où j'avais, je sais pas si c'est corrélé, mais j'avais mon coach bodybuilder. J'avais aussi un coach mental, j'avais aussi des coachs poker, mais lui, je sais pas, je sentais presque que c'était lui qui me faisait faire les choses, quoi. Mais ça te donne une discipline, une rigueur. Moi, c'est ça qui m'a apporté la rigueur, c'est vraiment le bodybuilding. Et c'est grâce à ça que j'ai pu accomplir tout ça au final, parce que tu m'aurais dit il y a 15 ans de ça, un jour tu vivras à Miami de ta passion et tu vas devenir américain, j'aurais jamais cru, quoi, tu vois. Mais c'est quelque chose, en fait, ça te met disons un cadre et une rigueur, et du coup ça te permet de pouvoir réaliser plein de choses, en fait. Le fait que tu te sentes mieux physiquement, tu te sens mieux mentalement aussi, et du coup t'es prêt, quoi, dans ta tête pour le poker, parce que tu me disais que tu pouvais rester jusqu'à 10 heures sur 10-12 heures, ouais. 10-12 heures, ouais. Tu commences à midi en général et tu finis à minuit. Faut un sacré mental, heures, quoi, pour, ouais, rester autant de temps et tout pour, ouais, pour, parce qu'il y a des moments où t'as perdu un coup et pendant 2 heures tu vas le ressentir, ce coup là parce que pendant 2 heures t'as plus de cartes, donc tu passes ton temps à te coucher et t'as ce coup qui te trotte. Et en même temps, il faut regarder ce qui se passe pour savoir quand tu vas faire ton prochain coup, ouais, etc., etc. En fait, à part le coach, qu'est-ce que tu me des conseils que tu pourrais me donner pour arrêter de faire justement j'arrête, je recommence. Même si quand je recommence, je peux te le faire 6 mois, 7 mois, 3-4 fois par semaine, tout le temps. Mais après, je vais arrêter 3 mois, 4 mois, 5 mois. En fait, il faut que tu suives déjà un programme précis. Je t'enverrai mon programme et tu le suis. Cette fois-ci, je le suis. Je te l'enverrai. Ouais. Je t'enverrai mon programme. Avec plaisir. Et du coup, en fait, ça va te. Il faut que tu t'organises, que tu saches, que tu fasses exactement la même chose tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours ma routine du matin, tu vois, je me lève toujours tôt, j'imagine que tu te lèves tôt aussi, généralement, ou pas? Non, c'est l'inverse au poker. Toi, c'est l'inverse. C'est vrai. Nous, on joue surtout le soir. En compétition, un peu moins, parce qu'on commence à midi, mais en poker en ligne, on commence, en général, tu commences à 20h. Ouais, du coup, t'es décalé. Et ouais, je suis décalé. Tu finis quoi? Tu te couches super tard, généralement, c'est ça? On va dire en compétition, je me couche vers 2h du matin, parce que à midi, je commence en général. Mais quand je suis en online à la maison, ça va être plus, je me couche à 6-7 heures du matin, ouais, parce que je commence plutôt le soir. Ouais, ouais, donc complètement, ouais, décalé, ouais. Ouais, ouais. En fait, si tu veux, une des composantes pour progresser en musculation ou bodybuilding, c'est d'avoir
c'est la récupération, et ça, c'est souvent ça qu'on a l'habitude justement de pas prendre en compte suffisamment. Et tu peux avoir la meilleure diète du monde, le meilleur entraînement du monde, le meilleur coach, si t'as pas la récup, en fait, tu progresseras pas. Et pour avoir une bonne récup, on dit que généralement, il faudrait arriver à dormir les 7 heures par jour, par nuit, quoi, entre guillemets. Ça, je l'ai fait, ouais. 7 heures par nuit, je dors. Ça, c'est quelque chose que t'arrives à faire quand même malgré ton. Ben, je dors autant de temps que je veux. C'est ça qui est bien avec le poker, c'est que tu dors. Donc, ça, tu peux quand même. Ouais. T'as le temps pour récupérer. Ouais, je dors même des fois 9 heures. Ouais. Entre 7h30 et 9h, on va dire. Donc, peu importe après si t'es décalé, il faut que t'aies, avec ton rythme de vie, que tu aies vraiment une routine particulière. C'est que tu vas te lever, il faut que tu te dises, bah là, je vais faire, je sais pas, mon cardio, ou alors je descends direct à la salle. On sous-estime, parce qu'à chaque fois, on se dit, par exemple, pour le poker, on se dit, ouais, c'est un jeu de stratégie, ce qui est vrai. C'est un jeu de technique, c'est un jeu où il faut travailler le jeu, etc. Ouais, avant tout. Mais en fait, la partie physique, si tu l'oublies, ce que la plupart des gens font, et même moi, j'en viens à l'oublier alors que je suis pro, et que j'avais des coachs, et voilà, et j'en viens encore à l'oublier aujourd'hui alors que j'avais des coachs, etc. Ben, en fait, tu peux pas t'accomplir à fond. Tu as forcément bloqué parce que c'est ultra important. À part si tu as beaucoup de chance, ça va marcher sur le court terme quand même pour toi. Mais si tu omets la partie physique, j'ai l'impression que tu pourras jamais avoir les meilleurs résultats, en tout cas. Et je veux pas être résultat orienté entre guillemets, parce qu'au poker, on dit résultat orienté, ça veut dire orienté par les résultats. On dit, ah bah ouais, mais comme t'as fait ces meilleurs résultats là, cette année là, tu penses que c'est parce qu'il y a eu ça et ça et ça. Mais en fait, il faut l'être un peu quand même, parce que il y avait ça dans ma vie à ce moment là, et je peux te dire honnêtement, aujourd'hui, là où je te parle, je sens que je suis pas à l'apogée de ma carrière du tout en termes de ce que je pourrais faire. Et je pense que c'est lié globalement à ma préparation physique qui est inexistante aujourd'hui là où je te parle, alors qu'elle était vraiment remplie il y a 2 ans. Ben, le meilleur moyen, c'est de faire le test et de repartir sur un vrai suivi avec un coach et avec une vraie alimentation, une vraie organisation. Et de voir si justement tout ça va améliorer tes performances dans le poker et si tu vas te sentir mieux, etc. T'as commencé à quel âge au fait ? Le POC, j'ai commencé à 20 ans et j'ai 32. Wow. Donc ça fait 12 ans que je joue. Ouais. Et t'es passé pro 21. À 21 ? Ouais. Ouais, quand même. Au début, j'en vivais pas très bien là, quand j'avais 21. Passé pro, c'est simplement au poker, en vivre. Ça veut dire en vivre. Ça veut pas dire avoir un sponsor, ça veut pas dire gagner un gros tournoi, ça veut juste dire gagner suffisamment d'argent pour pouvoir payer tes factures, ton loyer, vivre, etc. À l'époque, je gagnais, quand j'avais 21 ans, je gagnais peut-être 1 500 € en moyenne par mois. Et je jouais beaucoup. Donc, c'était beaucoup d'heures pour peu d'argent. Ça a augmenté. Après, j'ai commencé à faire mes premières années à 50 000. J'ai fait des années ensuite à 100 000. Et puis après, dès 2014, je commençais Cash Game Online. Et là, j'ai fait 2 années à 300 000. Donc, quand tu fais 300 000 l'année, là, tu te dis vraiment, je fais partie d'un petit pourcentage de gens, parce qu'il y a très peu de gens qui font ces sommes-là. Et donc, du coup, c'est pas facile. Faut pas se dire, ouais, les gars, je vais faire 300 000 parce que je joue au poker. Non, ça marche pas comme ça. C'est long, c'est fastidieux, c'est une route semée d'embûches. La plupart des gens peuvent y arriver s'ils s'en donnent les moyens, on va dire. Mais il y a quand même des gens qui vont pas avoir du tout la tête pour ça. Mais voilà comment le poker de compétition, à quoi ça ressemble. Intimement lié au physique, j'en suis convaincu, et plus je parle avec toi aujourd'hui, plus ça me refait prendre conscience à quel point il faut que je me bouge sur ça. Et je fais mon introspection en même temps, je me vois comme coaché là tout de suite, tu vois, alors en vidéo YouTube, mais parce que c'est important. C'est important. Et t'as été vice-champion du monde, c'est ça? À Las Vegas, sur une des épreuves au WSOP il y a 2 ans. Ouais. La dernière fois qu'il y a eu quand le WSOP. Quand même, ouais. Bien sûr. Elle est énorme, mais en même temps je sens que ça travaille, mais je sens que je suis aidé au moins à 60%, je sais pas. C'est bien justement, comme ici il n'y a pas d'appareil à traction, tu sais, normalement il y a des... Oui, avec tu mets les genoux dessus, ouais.
Et si t'as pas ça, si vous avez pas ça à la maison, prenez un élastique, là-haut, tu mets l'élastique ici pour les genoux. Comme ça, c'est comme si c'était moi qui te... C'est un équivalent. Cool. Il y a 3 ans, je me suis fait opérer du dos, d'une hernie discale. Donc, c'est une hernie discale que je traînais depuis que je suis ado. En fait, c'est un peu de famille et tout ça. D'accord. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, avec les compétitions, avec tout ça, c'était devenu invivable. Et du coup, j'ai décidé de me faire opérer parce que je me bloquais sans arrêt. J'avais des douleurs atroces et tout ça. Sauf que l'opération s'est très, très mal passée. En fait, j'ai chopé une bactérie à l'hôpital. Donc, ça, c'est un cas qui arrive sur, je sais pas, un cas sur 10 millions, tu vois, c'est très très rare. Mais du coup, cette bactérie, elle m'a bouffé mes vertèbres et mes disques, donc carrément des trous, ce qui m'a cloué à l'hôpital pendant plus de 3 mois. Donc, j'étais allongé sur le lit, je pouvais rien faire, ne pas bouger du tout. Je pouvais même pas me tourner sur le côté. Donc, tu vois, si t'imagines, quoi, c'était, là, il fallait vraiment avoir un mental de dingue pour pouvoir justement subir ça. Et donc, heureusement qu'il y avait Marjorie, ma femme aussi, qui était là tous les jours à côté de moi, qui m'a soutenu pendant toute cette période et tout ça. Mais si tu veux, c'est aussi grâce au fait que justement la musculation et le bodybuilding, les compétitions, ça m'a apporté un mental justement de dingue, je pense, qui m'a permis de justement pouvoir tenir toute cette épreuve, quoi. Il y avait des personnes qui étaient dans des situations comme moi aussi à l'hôpital, et ça, en fait, ça les a motivés justement, ça les a inspirés, si tu veux. Ok la famille, j'espère que ça vous a plu. J'ai mon tournoi qui va pas tarder à commencer. Ah, merci beaucoup Julien. Avec plaisir, merci à toi. Je me sens mieux. Tu sais que ça me fait vraiment la différence. C'est-à-dire que je sais que ma journée va être différente aujourd'hui. Je sais que la façon de percevoir, même de jouer, etc. va être différente. Parce que je me sens mieux physiquement. Et ça c'est super important et c'est grâce à toi. Merci. Tu vas gagner, c'est sûr. Alors, premier, on peut rien garantir au poker. Ça c'est toujours pareil. Au poker, sur un tournoi, tout peut se passer. Mais il y a beaucoup plus de chances en tout cas que je gagne aujourd'hui. Que si j'avais rien fait aujourd'hui dans ma préparation. Donc bien manger, bien préparer physiquement et tous tes conseils qu'on retrouve sur ta chaîne YouTube. Moi je veux vous abonner massivement à lui, il le mérite. C'est un des seuls Français qui a réussi son expatriation aux États-Unis avec un niveau tel en bodybuilding. Et merci encore à toi de m'avoir fait partager ton univers et découvrir tout ça. Merci encore. Ça mon Julien, merci. Bye.